Amanita rubescens, amanite rougissante, orange vineuse ou golmotte, dite comestible, mais bien cuite. Chapeau à couleurs variables, brun rougeâtre, brun ocracé, brun rosâtre, ou gris-brun, avec restant de voile gris-blanchâtre sale, marge non striée, ou avec le temps. Lame pâle à rose chair, parfois taché de vineux. Vous pouvez remarquer les squames grisâtres sur le chapeau. Chair blanche, à reflet rosâtre, rose vineux à la fin. Ou dans les morsures des animaux. Pieds blanchâtres, parfois vineux, bulbeux à la base, avec quelques cernes. Anneaux blanchâtres, rebord légèrement teinté. Vous remarquez le rougissement à la base du pied. Il arrive que ce rougissement ne soit pas évident. Confusion possible avec Amanita pantherina, vénéneux. Ou Amanita spissa, dite comestible. Saison été-automne, habitat clairière, feuillus et conifères. La comparaison avec la manite panthère sont les flocons toujours blancs, même avec l'âge, ce qui n'est pas le cas avec la manite rougissante, la teinte rosâtre, le rouge vineuse, blanche, immuable chez la manite panthère, la marge striée de la manite panthère et les bourrelets hélicoïdaux de son pied. Voir les vidéos correspondantes. Il est préférable d'éviter de ramasser la manite rougissante vu le risque de confusion avec la manite panthère.